compte rendu de la 17e réunion du Conseil des ministres. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a présidé ce vendredi 27 août 2021 la 17e réunion du Conseil des ministres par visioconférence. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du Premier ministre chef du gouvernement. 2. Point d'information. 3. Relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. 5. Examen et adoption des projets de texte. De la communication du Premier ministre chef du gouvernement. La communication du Premier ministre a porté essentiellement sur 4 points principaux, à savoir 1. De sa mission dans les provinces sous état de siège. Le Premier ministre a rendu compte au Conseil des ministres de la mission qu'il a effectuée dans les provinces de l'Ituri et du Nord-Kivu, à la tête d'une délégation de 9 membres du gouvernement, où il a présidé plusieurs réunions qui lui ont permis d'être informé de l'évolution de l'état de siège et des opérations menées. Il a salué les avancées sur terrain, notamment avec la reprise de positions clés, une dynamique à préserver. Il a rappelé pour ce faire la nécessité pour les ministres en charge du budget, des finances et de la défense nationale de faire le suivi permanent des besoins logistiques pour les troupes engagées au front. Le Premier ministre chef du gouvernement a passé en revue toutes les questions liées à l'état de siège avec les différents acteurs concernés, notamment les députés provinciaux et nationaux, la société civile, les humanitaires, la MONUSCO et la société civile. Il a relevé de ces échanges un besoin accru pour lutter contre les tracasseries et l'insécurité dans les milieux urbains. Dans le Nord Kivu, le Premier ministre chef du gouvernement s'est rendu à Oicha, chef-lieu du territoire de Beni, jadis bastion de l'insécurité. Il s'est adressé à la population de cette partie du pays en leur rappelant le bien fondé de l'état de siège décrété par le président de la République pour ramener définitivement la paix dans cette partie du pays longtemps meurtrie par les groupes armés. Le Premier ministre chef du gouvernement a fini son séjour en échangeant notamment avec les députés provinciaux du Nord Kivu ainsi que les autres forces sociales établies à Beni. Durant son séjour, le Premier ministre a tenu à apporter les soutiens du gouvernement aux populations déplacées et il a surtout été au chevet des soldats blessés au front. À tous ses interlocuteurs, il a rappelé que la réussite de l'état de siège dépend du triptyque opération, sensibilisation et démobilisation. Deuxième point de la communication du Premier ministre portant sur la pollution sur la rivière Chicapa. Le Premier ministre a informé le Conseil qu'il assure un suivi étroit et régulier de cette situation dès les premières heures avec le gouverneur avec qui il entretient de contacts très réguliers. Il a informé le Conseil de l'envoi sur les lieux d'une délégation gouvernementale conduite par le ministre de l'Environnement et Développement Durable ainsi que de ministre du Développement Rural, ministre en charge de la Pêche, des Affaires Sociales ainsi que les services du ministère de la Santé pour apporter l'appui à la population victime de cette calamité. Du point de vue diplomatique, le gouvernement de la République a d'ores et déjà saisi le gouvernement angolais pour l'évaluation mixte de cette situation afin d'en tirer toutes les conséquences. Point 3 de la communication du Premier ministre et chef du gouvernement relatif à l'organisation des examens d'État édition 2020-2021. Le Premier ministre a annoncé les débuts le 30 août prochain des épreuves de l'examen d'État pour le finaliste et des humanités au terme d'une année particulièrement difficile qui a été perturbée par la pandémie à Covid-19. Il a souhaité bonne chance aux différents candidats.
Aussi a-t-il saisi cette occasion de la jeunesse aux études pour féliciter notre équipe de basketball engagée dans l'Afro-Basket pour leur victoire à l'occasion du match contre le Cap-Vert à Kigali au Rwanda. Il leur a souhaité une bonne chance pour la suite de la compétition. Point 4 et dernier point de la communication du Premier ministre, portant sur les revendications sociales. Le Premier ministre a exhorté les différents ministres à impliquer le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, dans la gestion des revendications des agents publics. Concernant particulièrement les revendications des députés provinciaux à travers le pays, le gouvernement a hérité des arriérés de plus de 10 mois d'impayés. Malgré ce lourd héritage, le gouvernement reste engagé à répondre à leurs préoccupations. C'est ainsi qu'il a invité les ministres de budget et celui des finances à donner une réponse adéquate à cette préoccupation. Avant de conclure son propos, le Premier ministre est aussi revenu sur la grève qui paralyse la radio-télévision nationale congolaise et pour laquelle une solution doit être trouvée. Il a invité le ministre de la Communication et des Médias à faire le point de cette situation à la fin de points d'information. Chapitre 2 du Conseil des ministres de ce jour. Point d'information. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières, a brossé l'état du territoire national qui reste calme sur toute son étendue globalement, en dehors des opérations militaires en cours pour mettre fin à l'insécurité à l'Est. L'état d'esprit de la population a été ces derniers jours marqué notamment par la 6e prorogation, le 19 août 2021, de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord-Kivu par le Parlement. Le décès à Luanda de l'honorable Antoine Gabriel Kyungwaku-Mwanza, président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. La forte attente de la population sur l'application de la nouvelle tarification de surgelés négociée entre le gouvernement central et les importateurs de ces denrées. Avant de clore son propos, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières, a informé le Conseil de la poursuite du retour volontaire de compatriotes réfugiés en Ouganda, en provenance de camps des réfugiés des Tchakadeux et Navikale. Ils sont rentrés au pays par le poste frontalier de Bunagana, un territoire de Rutshuru, province du Nord Kivu. Toujours sur ces chapitres sécuritaires, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a présenté au Conseil une situation sécuritaire qui demeure relativement sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. En vue de pacifier les foyers d'insécurité dans la partie est du pays et d'y rétablir l'autorité de l'État, les opérations militaires se poursuivent, particulièrement dans les provinces sous état de siège et dans la province du Sud-Kivu. Il a rassuré de la détermination et de l'engagement ferme du gouvernement à n'éménager aucun effort pour mettre à la disposition de nos forces armées les moyens nécessaires pour mener à bien ces opérations sur les différents fronts dans l'objectif de ramener la paix, la stabilité et la sécurité dans cette partie du pays. Toujours sur ces chapitres de points d'information, le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention, représenté par la vice-ministre, a fait le point de l'évolution de la pandémie à COVID-19. La tendance à la troisième semaine épidémiologique par rapport à la précédente a été marquée par une baisse sensible de l'incidence COVID-19 et de 39,2%. Une baisse des cas importés de 25,3% et une infime baisse du taux de létalité à 0,1%. Les statistiques évoquées par le ministère de la Santé indiquent que Kinshasa poursuit sa phase descendante de notification de cas positifs au COVID-19, contrairement à la situation observée dans les autres provinces. Si le gouvernement poursuit ses efforts en équipement de provinces touchées par la pandémie, il poursuit en même temps
la sensibilisation au respect des mesures barrières et intensifie l'appel à la vaccination pour renforcer la riposte contre le coronavirus. En ce qui concerne la pollution des rivières Kasaï et Chicapa, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a évoqué quelques activités en cours dans le cadre de la prévention. Il a noté la distribution d'une assistance matérielle constituée notamment des kits médicaux d'urgence et de points d'eau en faveur de populations touchées, la poursuite de l'identification de toutes les aires de santé riveraines et ménages touchés et les renforcements de la surveillance épidémiologique dans la province. Le gouvernement rappelle qu'il est interdit de consommer l'eau polluée, les poissons ainsi que des animaux aquatiques des rivières Chicapa et Kasaï. Évolution de la situation récente sur le marché d'échange ainsi que de biens et services. Invité à intervenir au Conseil des ministres de ce jour, la gouverneure de la Banque centrale du Congo a fait le point sur l'évolution de la conjoncture économique. Elle a souligné que les principaux indicateurs du cadre macroéconomique demeurent stables dans un contexte du maintien de la coordination des actions de politique économique menées au niveau de la politique budgétaire et de la politique monétaire. Sur le marché d'échange, les évolutions hebdomadaires entre le 13 et le 20 août 2021 ont induit une dépréciation de 0,01% à l'indicatif et une appréciation de 0,20% au parallèle. En cumul, par rapport à fin décembre 2020, il se dégage une dépréciation de 1,01% à l'indicatif et de 0,51% au parallèle. Alors qu'à la même période de l'année 2020, le franc congolais s'était déprécié respectivement de 14,68% et de 14,25%. Sur le marché de biens et services, le taux d'inflation hebdomadaire s'est établi à 0,09% à la troisième semaine du mois d'août 2021, ce qui induit un taux en cumul annuel de 2,98% contre 13,48% à la période correspondante de 2020. À ces rythmes, le taux d'inflation à fin décembre 2021 se situerait à 4,74% contre 15,76% réalisé à fin 2020. Face à la persistance des risques liés à la fragilité de la reprise de l'activité économique mondiale actuelle et au risque d'emballement des prix internes, la gouverneure de la Banque centrale a encouragé les gouvernements à poursuivre la mise en œuvre prudente des politiques conjoncturelles. Elle a rassuré que les actions de la politique monétaire menées par la Banque centrale restent proactives pour assurer un suivi rapproché des facteurs de liquidité dans les soucis d'éviter tout dérapage susceptible de nuire à la stabilité du marché d'échange. Le Conseil des ministres a pris acte de ces points sur l'évolution de la conjoncture économique. Intervenant à son tour, toujours sur ces chapitres de points d'information, le ministre de l'Intégration régionale a présenté au Conseil les rapports de la tenue des assises du 41e sommet de chefs d'État et de gouvernement de la SADC, qui se sont tenues du 10 au 18 août 2021 à Lilongwe, au Malawi. Avant de mettre en exergue les retombées positives pour la République démocratique du Congo, il s'agit respectivement de l'élection du président de la République Félix-Antoine Tshilombo par ses pairs en qualité de président entrant de cette organisation régionale. Il devient désormais membre de la Troïka de président de la SADC. Il a été également choisi pour présider la 42e session ordinaire du sommet des chefs d'État et de gouvernement de cette communauté. Le choix de la ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, pour abriter la 42e session ordinaire du sommet de chefs d'État et de gouvernement de la SADC. L'élection du ministre de la République démocratique du Congo, ayant l'intégration régionale dans ses attributions en tant que président entrant du Conseil des ministres de la SADC. Il fera désormais partie de la Troïka de ministres de cette organisation.
en perspective de la tenue de ses assises en République démocratique du Congo, le ministre de l'intégration régionale a évoqué la nécessité de construire un bâtiment multifonctionnel et la nomination d'un ambassadeur près la SADC au Botswana, siège de la dite communauté. Avant de clôturer ces chapitres de points d'information, le premier ministre chef du gouvernement a spécialement donné la parole au ministre de la Communication et des Médias pour le compléter et informer le Conseil de la situation de grève du personnel de la Radio-Télévision nationale congolaise. Le ministre des Tutelles a épinglé les principales raisons présentées par les syndicalistes de ces médias publics, notamment du barème salarial, du reliquat des salaires consécutifs au protocole d'accord signé avec le gouvernement en 2019, de la situation des cotisations sociales et à la mise à la retraite des agents éligibles, de la prise des mesures de décrispation urgente du climat de travail malsain et dégradant au sein de ces télévisions nationales. Avant d'entamer les discussions avec les délégués syndicaux, le ministre a échangé avec la direction générale et tous les directeurs pour mieux cerner certaines revendications. Après 48 heures de dialogue avec le banc syndical, il a obtenu la suspension de la grève. Et il a été convenu de la création d'une commission mixte, ministère, direction générale et banc syndical, pour un suivi conjoint des différents points contenus dans les cahiers de charges. Au regard du caractère transversal de certaines revendications, les orientations du gouvernement sont attendues pour la prise en compte des dites préoccupations. Chapitre 3 du Conseil des ministres. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres a adopté les relevés des décisions du Conseil des ministres tenus le 20 août 2021. 4. Examen et adoption des dossiers. Le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, a présenté au Conseil le projet d'organisation d'un atelier sur l'élaboration d'un annuaire national de ressources naturelles renouvelables et non renouvelables du sol et du sous-sol multisectoriel de la République démocratique du Congo. Ces projets harmonisés dans le cadre d'une commission ad hoc, conformément à la décision du Conseil des ministres du 9 juillet 2021, requièrent la participation active de 13 ministères sectoriels pour parvenir à la production de l'annuaire. Il sera question notamment d'établir pour chaque ressource naturelle sa localisation, son potentiel commercial, sa qualité et teneur, les chaînes de valeur existantes et les acteurs impliqués dans l'exploitation. Le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, a expliqué que la production de cet annuaire multisectoriel est l'une des stratégies définies conformément à la vision du président de la République pour valoriser les ressources naturelles du pays. Il a sollicité l'adhésion de tous les membres du gouvernement pour que la tenue de cet atelier permette à notre pays de disposer des données fiables de ses potentialités naturelles et des stratégies de leur exploitation et utilisation pour contribuer à sa reconstruction et à son développement harmonieux et équilibré. Le Conseil des ministres a adopté ces dossiers. Examen et adoption de 4 projets de texte. 5e chapitre du Conseil des ministres de ce jour. Avant de présenter le projet de loi autorisant la prorogation de l'état de siège, la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a rappelé au Conseil des ministres qu'au-delà de l'évaluation en cours à l'Assemblée nationale, le premier ministre chef du gouvernement a conduit une mission à la tête d'une délégation ministérielle dans les 2 provinces concernées par l'état de siège. Cette mission, a-t-elle indiqué, lui a permis de palper les réalités des zones opérationnelles et d'enregistrer directement les besoins réels de nos forces de défense et de sécurité déployées sur terrain, en vue d'accroissement de leurs capacités et moyens d'action indispensables à la poursuite sans heurts de leurs opérations. Considérant qu'il y a encore du chemin à parcourir pour parvenir au rétablissement total de la paix
en Ituri et au Nord Kivu. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a présenté au Conseil le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo pour une période de 15 jours, prenant cours à partir du 3 septembre 2021. Après débat et délibération, ce projet de loi a été adopté. Deuxième projet. Projet des décrets portant création, organisation et fonctionnement d'un établissement public, nommé unité de coordination du partenariat public-privé. En l'absence du ministre d'État, ministre du Plan, le vice-ministre a fait l'économie du projet de décret portant création, organisation et fonctionnement d'un établissement public dénommé Unité de coordination de partenariat public-privé en sigle UCPPP. Il s'agit d'un organe technique du gouvernement chargé de conseil, de coordination des activités et d'encadrement de la conclusion de contrats de partenariat public-privé. À propos des missions assignées à cet établissement public, le vice-ministre a indiqué qu'elles consistent notamment à appliquer la politique nationale et d'en élaborer le programme d'activité, à promouvoir le partenariat public-privé et à constituer une base de données de projets de partenariat public-privé éligibles. Ces projets de décret prévoient, pour l'unité de coordination de partenariat public-privé, conformément aux dispositions générales applicables aux établissements publics, trois organes statutaires, à savoir le conseil d'administration, la direction générale et les collèges de commissaires aux comptes. Après débat et délibération, ce projet de décret a été adopté. Troisième projet de texte soumis à l'approbation du Conseil des ministres. Projet de décret fixant les statuts des deux établissements publics. Le ministre d'État, ministre de l'entrepreneuriat et des petites et moyennes entreprises, a soumis au Conseil deux projets de décret. Le premier fixe les statuts d'un établissement public dénommé Agence nationale pour le développement de l'entrepreneuriat au Congo, en sigle ANADEC. Et le second porte sur les statuts d'un établissement public dénommé Agence pour la promotion des classes moyennes congolaises, en sigle APROCOM. Il a indiqué que ces deux projets ne créent nullement des nouveaux services, mais ils réforment respectivement deux structures existantes, à savoir l'Office de promotion des petites et moyennes entreprises OPEC et les programmes d'appui au secteur privé PASP, afin d'arrimer leurs attributions statutaires actuelles sur la nouvelle vision du gouvernement contenue dans le Programme national de développement et de l'entrepreneuriat du Congo, PRONADEC, adopté en Conseil des ministres le 5 juin 2021. En effet, la transformation de l'OPEC en ANADEC est une réforme qui vise à élargir le champ d'action de cette structure afin de lui permettre de prendre en charge l'ensemble du processus entrepreneurial. Elle garantit également des ressources propres et pérennes pour la mise en œuvre de sa politique sans créer une quelconque charge supplémentaire pour l'État. Quant à l'Agence pour la promotion des classes moyennes congolaises, née du programme d'appui au secteur privé, la réforme vient renforcer son autonomie financière, notamment par la location budgétaire à concéder par l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés sur son prélèvement qui grève les marchés de la sous-traitance. Ces attributions consistent à mener des études appropriées et d'élaborer des statistiques devant notamment servir de sous-bassement à la définition de la politique de promotion des classes moyennes congolaises. Après débat et délibération, ces deux projets de décret ont été adoptés. Commencée à 11h33, la réunion du Conseil des ministres a pris fin à 14h39.